pour toi. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu pour toi. Qui croit cela ce matin? Amen. Dis, c'est mon temps à moi. C'est le temps à moi. Dis, c'est le temps de Dieu pour moi. C'est le temps de Dieu pour moi. Dis encore, c'est le temps de Dieu pour moi. La Bible déclare que dans Luc, que pendant qu'ils étaient là, Luc chapitre 2, le temps où Marie devait accoucher arriva. Dis à ton voisin, mon temps arrive. Mon temps arrive. Je déclare ce matin, je déclare qu'à partir de ce mois de juillet, tu vas accoucher. Tu vas accoucher des choses spirituelles. Tu vas mettre naissance à de grandes bénédictions. Est-ce que vous dites amen? Dis à ton voisin, c'est mon temps à moi. Dis à ton voisin, l'hiver est passé, l'été vient. C'est le temps où je vais récolter. C'est le temps où je vais moissonner. C'est le temps où mon miracle vient. C'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps. Tiens, ton voisin, les choses passées sont terminées. Je ne regarde plus en arrière, mais je regarde devant. Je déclare que les choses, n'est-ce pas, à venir, sont extraordinaires. Tiens, ton voisin, sont extraordinaires. Je ne veux pas faire comme la femme de Lot. Je ne veux pas, n'est-ce pas, rester dans le désert. Mais je déclare que c'est mon temps. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est le temps que tu as fait pour moi. C'est mon heure. C'est mon heure. Ça a été pointé par Dieu. Maintenant, juillet 2016. Juillet 2016. C'est mon miracle. C'est ma saison. C'est ma faveur. C'est quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Je sais que les choses anciennes sont passées. Je sais que toutes choses deviennent nouvelles. Tiens, comment ça nouveau. Comment ça vient l'enfant? Le nouvel an, c'est Michel, je te loue, je t'adore. Dis, c'est ma saison. C'est mon heure, c'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon heure. Loue le Seigneur Jésus. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient là, je t'annonce que si tu es là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, eh bien tu vas enfanter les choses que Dieu a préparées de toute éternité. Qui le croit? Amen. Je vais vous dire, il faut être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et si tu es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, ton miracle est là. Dis à ton voisin, ton miracle est là. Ton miracle est là. Je le vois, je le sens. J'entends le bruit. Dis à ton voisin, j'entends le bruit. J'entends le bruit, j'entends le bruit. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne le vois pas encore, mais je sais. Dis à ton voisin, je sais. Je sais que je sais que je sais que tu sais. Dis-le, je sais, je sais. Je sais que mon miracle arrive. Mon miracle arrive. Je vous annonce, tu as beaucoup travaillé, tu as peu récolté. J'annonce à partir de maintenant que tu vas peu travailler, mais tu vas beaucoup récolter. J'annonce à partir de maintenant que c'est ta saison. Tiens, toi là, c'est ma saison. Ma saison. C'est moi, c'est mon heure à moi. C'est mon temps à moi. Pendant qu'ils étaient là. Vous allez me dire, mais pasteurs, ils étaient où? Tiens, toi, ils étaient à Bethléem. Tiens, toi, à Bethléem. La Bible déclare petite entre les milliers de Judas, mais sur toi, ma gloire va descendre. Mes amis, est-ce que vous savez que Dieu choisit des endroits? Est-ce que vous savez que Dieu choisit des villes? Est-ce que vous savez que Dieu choisit des régions et détermine, n'est-ce pas, que dans cet endroit-là, à ce moment-là, il va se passer quelque chose? Tiens, tu vois ça, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ils étaient là à Bethléem. Tiens-toi, Bethléem. En hébreu, c'est la maison du pain. Ils savaient que, n'est-ce pas, ils n'avaient pas l'intention d'aller là. Mais Dieu, n'est-ce pas, fait concourir toutes choses afin que ceux qui craignent son nom soient au bon moment, au bon endroit, pour au rendez-vous de Dieu. Amen. Mes amis, qui veut être au rendez-vous avec Dieu ce matin? Amen. Qui veut être au rendez-vous avec Dieu ce matin? La Bible déclare qu'il y avait eu un été. N'est-ce pas que pour se faire recenser, même si c'était une autre ville, il devait
ont pris la route pour arriver à Bethléem. Et c'est quand ils étaient à Bethléem que le temps où Marie devait accoucher arriva. Je vous annonce que s'il n'avait pas été à Bethléem, eh bien il y aurait eu un retardement d'accouchement. Dieu n'aurait pas permis que ce bébé accouche. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'il devait naître à Bethléem. Tiens-toi ça, à Bethléem. Il y a des endroits, et je vous annonce qu'ici, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Est-ce que vous dites amen? C'est au carrefour de l'Europe, c'est à la porte de la capitale. Et c'est pour cela que je vous annonce que Dieu va faire de grandes choses ici. Tiens-toi ça, Dieu va faire de grandes choses. Il y a des endroits que Dieu choisit de toute éternité. Et d'ailleurs, je dis souvent, aux portes des villes, aux portes des pays, aux portes des continents, tu es en train de placer des endroits. Comme à Denain. Faites-moi ça, Denain. Denain, c'est au nord de la France, à la porte du nord de la France. C'est pour cela que je crois que Dieu va faire de grandes choses. À Denain, faites-moi ça, à Denain, tu vas faire aussi de grandes choses. Il y a des endroits que Dieu choisit, n'est-ce pas, pour montrer sa gloire. Tu as dit à Abraham, va au mont Morija. Parce que c'est là que je vais faire un miracle pour toi. Abraham obéit, il ne comprend pas pourquoi. Il prend son fils, son unique, il monte sur la montagne. Mais il ne sait pas que dans cet endroit-là, la gloire de Dieu l'attend. Est-ce que vous dites amen? Lorsqu'on obéit à Dieu, il était prêt à offrir son fils. Mais Dieu a pour vous, Dieu a trois ans, Dieu a pour vous. J'annonce que Dieu va pouvoir pour toi, Dieu va pouvoir pour toi, Dieu va pouvoir pour toi. Quel que soit l'endroit où tu es, même si c'est un endroit difficile, même si c'est un endroit où tu ne sais plus quoi faire, j'annonce un miracle sur ta vie. Il y a des endroits, tiens-toi, il y a des endroits que Dieu choisit, il y a des endroits, Abraham a dit à son serviteur, va chercher, n'est-ce pas, pour mon fils Isaac, une jeune femme. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, au puits, quelque chose au puits. Au puits, n'est-ce pas, il a dit, ah Seigneur, que la personne qui arrive là, ça sera là, l'épouse pour mon fils. Cet endroit-là était l'endroit des rencontres. Quelque chose, l'endroit des rencontres. L'endroit des bénédictions. Il y a des endroits. De la même manière, n'est-ce pas, que Jacob, au puits de Jacob. N'est-ce pas ça, eh bien, Rachel est arrivée au bon moment, j'attends au bon moment, au bon endroit. Et c'est là que, n'est-ce pas, elle a rencontré Jacob. N'est-ce pas, que dire, n'est-ce pas, de Esther, qui, n'est-ce pas, a vécu des choses incroyables. Elle était là au moment où elle devait voir le roi. Elle était là devant le roi, au bon moment, au bon endroit. Que dire de Ruth? La Bible déclare que alors qu'ils avaient tout perdu, ils reviennent parce qu'ils ont appris qu'à Bethléem, n'est-ce pas, Dieu avait visité son peuple. Et ils repartent avec Naomi. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rempli d'amertume. Mais elles rentrent ensemble, Naomi et Ruth. La Bible déclare que alors qu'elles sont rentrées à Bethléem, elles décident, Ruth, d'aller glaner dans un champ. Mais la Bible déclare que par hasard, par chance, l'endroit à Bethléem où Ruth a été glanée, eh bien, c'est que ça appartenait à Boaz. Tiens-toi ça, à Boaz. Au bon endroit, au bon moment. Tiens-toi ça, la faveur de Dieu sur moi. La faveur de Dieu sur moi. Lorsque tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, Boaz avait le droit de rachat. Et c'est comme cela que Boaz, n'est-ce pas, a vu cela. Mais qui est cet homme-là? Le Seigneur te regarde, qui est ce jeune homme-là? Qui est cette femme-là? J'aimerais vous dire que Dieu te connaît, il sait exactement là où tu es, il sait exactement ce que tu vas faire. Et il connaît le miracle qui est en train d'arriver sur ta vie. Et il a vu, il a entendu tes prières, il sait exactement, n'est-ce pas, où tu es. David était en train de garder les troupeaux à Bethléem. Et puis, la Bible déclare que Samuel devait voir un roi. Mais mes amis, les rois que Dieu voit n'habitent pas n'importe où. Samuel vient, on lui présente un grand guerrier, Dieu dit non, c'est pas lui. On lui présente quelqu'un qui est très intelligent, Dieu dit non, c'est pas lui. On lui présente quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on lui présente le fils de la famille de un tel, du politicien, vous savez là, de celui-là. Dieu dit non, il n'est pas là-bas. Mais est-ce que tu n'as pas encore vu? Non mais, il est très petit, il est en train de garder les troupeaux dans les champs de Bethléem.
Dieu regarde, il y a des endroits que même s'ils sont cachés par Dieu, Dieu sait exactement où tu es. Et Dieu a déjà mis sa main sur toi. Amen. Pour l'endroit que tu vas donner, je te loue parce que je suis au bon endroit. Tiens, tu vois ça, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Mais il ne faut pas seulement être au bon endroit. Deuxièmement, si tu veux voir la bénédiction puissante de Dieu, il faut être avec de bonnes personnes. Tiens, tu vois ça, avec de bonnes personnes. Bonne personne. Joseph était avec Marie. C'est pour cela que la grâce de Dieu a été sans limite. C'est pour cela que Dieu a dit, n'est-ce pas, à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. C'est pour cela que Dieu a vu en Joseph un homme selon son cœur. Imaginez-vous que cet homme aurait pu répudier Marie. Parce qu'il pensait peut-être que Marie avait commis quelque chose de grave. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'elle allait devenir enceinte par le Saint-Esprit? Mais voyez-vous, Dieu connaît le cœur de Marie de la même manière que Dieu connaît le cœur de Joseph. Et c'est pour cela que Dieu rassemble des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Joseph qui aurait dû légitimement répudier Marie. Imaginez-vous, moi je m'en vais faire une mission de 10 mois en Afrique, puis je rentre ici, et Monica m'a dit enceinte, ah bon, oui, par le Saint-Esprit, oui, par le Saint-Esprit. Mais Joseph lui a dit, je suis avec toi. Est-ce qu'on veut dire amen? Amen. Joseph était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on veut dire amen? Il a dit non, ne crains pas, Marie. Dieu rassemble, Dieu rassemble des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Josué, Caleb, ça c'était quand même deux hommes incroyables. Dieu a rassemblé ces deux hommes pour les plus grandes victoires que le monde n'a jamais, mes amis, même pensé ou imaginé. Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, mais Josué avait besoin de Caleb et Caleb avait besoin de Josué. Que dire de cette communion entre Moïse et Josué? Ah! Ensemble! Ils sont rentrés dans le pays de la promesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moïse avait l'intention, mais c'est son fils spirituel, Josué, qui est rentré. Dieu rassemble des hommes. Il y a Dieu rassemble des hommes et des deux. Que dire de Élie et Élisée? Quelle combinaison incroyable! Tu es en train de te mettre à côté de la personne dont tu as besoin. Il y a ton voisin que tu as besoin. Tu as besoin. Il y a des choses incroyables que Dieu. Que dire, n'est-ce pas, alors, de Esther et Boaz? Oh! Quelle union, quelle rencontre! Mes amis, quand on est avec les bonnes personnes, dire pour ça, quand on est avec les bonnes personnes, alors tôt ou tard, la bénédiction de Dieu, elle est là. Mais je t'annonce aussi rapidement que si tu n'es pas avec des bonnes personnes, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, tu peux apporter les plus grands dons, tu n'auras rien du tout. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. L'autre représentait la chair. L'autre représentait celui qui avait une vision charnelle. L'autre était attiré par l'argent. L'autre était attiré par ce qu'il ne fallait pas. L'autre était attiré par une vision charnelle. L'autre a dit, non, moi je vais prendre ce terrain là-bas. Là, il y a de la richesse. Ne reste pas avec les lotes. Tiens, ton voisin, ne reste pas avec les lotes. Trop de gens, mes amis, baptisent. Trop de gens, n'est-ce pas, disent je t'aime, Seigneur, mais ils ont autour d'eux, n'est-ce pas, des gens qui sont faux, des gens qui ne sont pas honnêtes, des gens qui n'ont pas le cœur pur. Mes amis, je vous annonce, vous qui regardez Top Channel dans le monde entier, que si tu marches avec un Lot, avec un Nakan, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible, Yadoda, ce n'est pas possible. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, et je vais te dire ce que tu vas devenir. Mes amis, la loi des affaires, c'est pareil. Si tu fréquentes des hommes d'affaires de valeur, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Amen. Mais si tu fréquentes, excusez-moi, les clochards du coin, les abrutis là-bas, comment tu vas évoluer?
Si tu te promènes avec des gens, même certains pasteurs, des voleurs, des tricheurs, comment tu vas évoluer? Si tu te promènes avec des soi-disant chrétiens ou hommes d'affaires qui n'ont jamais vu un centime dans leur vie et qui sont prêts à te mentir en souriant, en te regardant dans les yeux, comment tu vas prospérer? Moi, je ne peux pas beaucoup d'amen ce matin, mais c'est pas grave. Amen. Tiens, ton voisin, je dois être avec les bonnes personnes. Je dois être avec des bonnes personnes. Je dois accompagner des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Souvent, il y en a qui disent, Seigneur, je prie, Seigneur, ouvre-moi la porte. Je ne vais pas t'ouvrir de porte. Il y en a qui disent, Seigneur, oh, s'il te plaît, je veux aller plus loin. Dieu te dit, tu n'iras pas plus loin. Il y en a qui disent, non, Seigneur, je dois lire plus la Bible. Lis ta Bible autant que tu veux. Tant que tu ne te seras pas séparé de ces méchants-là, tu ne n'iras pas plus loin. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Amen. Tu as dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un. Tant que tu restes avec des gens que tu n'as pas, je attends. Elle dit non, je ne veux pas donner ma bénédiction, sinon tu vas la partager avec cette personne-là. Ouais. Est-ce que vous l'avez compris? Amen. C'est pour cela que Dieu permet des séparations depuis quelques mois. Parce que Dieu veut que tu te sépares de tous ces gens qui n'ont pas un cœur pur, de tous ces gens qui ne marchent pas dans la vérité, de tous ces gens qui ne sont pas droits, de tous ces gens qui sont faux, de tous ces gens qui sont doux. C'est des vrais caméléons. Amen, amen. Ils vont à droite, ils sont rouges. Ils vont de côté, ils deviennent verts. Ils vont là-bas, ils deviennent jaunes. Élie va dire, arrêtez de clocher des deux côtés. Vous avez des chrétiens qui vont... Tantôt à droite, tantôt à gauche. Oh, pasteur, que Dieu oblige, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Il me fait un gros bisou là, puis juste derrière, il me critique, il me bombarde. Tiens, comme ça, aïe, 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 aïe. Le Seigneur n'est pas seulement venu apporter la paix, Jésus va lui dire lui-même, je suis venu apporter des séparations. Je sépare le faux du vrai. Et je vous annonce qu'on est dans les derniers temps. Et Dieu est en train de choisir un peuple, il est en train de faire un tri. Ne venez pas ainsi, dit Seigneur, je te loue. Je te loue ce matin. Ce matin. Et je m'engage à marcher seulement avec les personnes que tu as destinées pour ma vie. Sépare-toi de ces faux amis. Sépare-toi de ces faux chrétiens. Il y a des gens qui te freinent dans ta marche chrétienne. Il y a des gens qui vont t'embrouiller. Il y a des gens qui ne sont pas d'un cœur sincère. Tant que tu vas rester avec ces personnes-là, tu ne pourras pas progresser. Tant que tu vas rester avec ces personnes-là, tu ne pourras pas avancer. Tu es n'est-ce pas pris comme dans un piège, comme dans un filet. Dieu te dit, dégage-toi de ce filet. Abraham, alors que il doit recevoir la dîme de Melchisédek, la Bible déclare que le roi de Sodome est arrivé pour lui apporter des dons et tout. Abraham a dit, je ne prendrai pas un iota de ça. Ton argent est sale, ton argent est démoniaque, ton argent vient des féticheurs. J'entends pas beaucoup de la Amen, amen. Pas un iota. Mes amis, il faut choisir, les atouts, il faut choisir. Il faut choisir. Je sais souvent, nous en Belgique, surtout ceux qui sont nés d'une culture belge, ils ont peur de prendre des décisions. Hein? Ils sont tous, vous savez, on essaie de toujours faire des compromis. Il faut être bien avec tout le monde, gentil avec tout le monde. Hein? Il faut faire la bise à tout le monde. Hein? Eh ben, tarat-tata-tata-tita-toto. Tiens, tu vois ça, tarat-tata. Moi, quelqu'un, je dois lui dire quelque chose, je lui dis en face. Ok? Amen. Ah, c'est dommage qu'on n'ait plus du temps, hein, et donc des chevaliers. Quand il y avait un problème entre deux chevaliers, ah, vous m'avez déshonoré, on faisait quoi? L'épée. Bon, voilà. Allez, au moins on se parle face à face. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est des peureux. Ils te critiquent, après ils se cachent.
Même dans la mafia, on n'agit pas comme ça. Mais on va te tuer au moins pour te le prévenir avant. Mais les chrétiens, excusez-moi, ils parlent contre toi sans même te le dire par derrière. Ne venez pas là, celui-ci-là, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue. Dieu n'est pas à des choses belles pour toi. Il veut que tu marches avec les bonnes personnes, comme Élie, Élisée, Ruth, Pierre et Jean. Imaginez-vous Pierre et Jean, la Bible dit qui rentrent au temple. Et puis il y avait un boiteux. Et puis ils disent, le boiteux les regarde. Et Pierre va dire, regarde-nous. Pierre ne va pas dire, regarde-moi. Jean ne va pas dire, regarde-moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde-nous. Parce que Pierre et Jean étaient tellement ensemble d'un même cœur que la gloire de Dieu était sur leur vie. La vérité, c'est que lorsque Pierre a dit, regarde-nous, c'est pas qu'il a dit, regarde-nous, il a dit, regarde la gloire de Jésus qui est au travers de notre vie. Ce sont des unions qui produisent la gloire. Ce sont des associations qui produisent la bénédiction. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, que ce soit pour des affaires, que ce soit pour l'église, que ce soit pour des relations, que ce soit pour des mariages, et bien lorsque c'est le choix de Dieu, la gloire descend. La gloire descend. La paix descend. Et on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Il n'y a pas besoin de... On le sait. Mes amis, quand Élisabeth, la Bible déclare qu'elle est partie voir, n'est-ce pas, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me le dire? Au moment où ils se sont rencontrés, l'enfant a tressailli de joie dans le ventre. Il y avait déjà une joie. Parce que on savait que c'était vraiment Jean-Baptiste et Jésus. Il y avait une relation déjà de cœur, une relation, mes amis. Quand tu rencontres une bonne personne, directement tu es dans la paix. Ton cœur est dans la joie. Amen. Il y a quelque chose qui... C'est comme si tu connaissais cette personne depuis 50 ans. Tout à fait. Quand j'ai vu Monique, les deux, je ne sais pas si comme si j'ai connaissé depuis longtemps. Quand j'ai vu Noé et Martine, je pense que ça fait au moins 250 ans. Il y a plus rien en bas, en bas. Parce qu'on sent qu'on est de la même semence, du même cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même vision, même pensée. Mais lorsque tu rencontres quelqu'un, parfois tu dois attendre, mais à un moment donné tu sens, tu es mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne n'est pas honnête. Cette personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre frère Edo disait qu'il y avait quelqu'un dans la voiture là. Tu as dit non, mais il faut que tu descends de cette voiture. Mes amis, la lumière, c'est la lumière. Amen. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je vais devoir bientôt conclure parce que c'est pour cela qu'au bon endroit, avec les bonnes personnes, alors tu peux commencer à dire, je vais bientôt accoucher. Bientôt, ma bénédiction arrive. Alors qu'ils étaient là, au bon endroit, au bon moment, la Bible déclare que le temps où Marie devait accoucher arriva. Bientôt, mon temps arrive. Mon temps arrive. Quelque chose est en train de se passer. Je sens que les derniers obstacles vont s'écrouler. Les dernières barrières vont tomber. Je sens que s'il y a des murs de Jéricho, tiens toi ça, ils vont s'écrouler. Au nom de Jésus, si encore un Goliath, tiens toi ça, le Goliath va tomber. Amen. Ne venez pas, monsieur. Tiens toi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose, je sens que ça bouge. Je sens que ça bouge dans ma vie. Il y a quelque chose qui bouge dans ma maison. Il y a quelque chose qui bouge quand je prends la voiture. Il y a quelque chose qui bouge, n'est-ce pas, quand je suis, n'est-ce pas, à Bruxelles, à Ouvrez, à Donald. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je le
sens, je sens, je sens, je sens. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va bientôt sortir. Amen. Et je vous annonce qu'il n'y aura plus de fausses touches. Je vous annonce qu'il n'y aura plus de retardement. Je vous annonce que personne ne pourra stopper cette naissance. Je déclare que c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Tu vas accoucher parfaitement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu vas accoucher miraculeusement. Sans piqûre. Comment on appelle ça? Sans péridural. Catoisa, sans péridural. Amen. Sans péridural. Ne venez pas m'assurer. C'est le temps de Dieu pour moi. Quelque chose est en train de se passer. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. J'ai prié pendant longtemps. Mais je te dis, je vais répondre bientôt à tes prières. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tout ce que tu as fait pour moi. J'ai vu, n'est-ce pas? J'ouvre mon livre. Et je te dis, c'est ton temps. C'est ta saison. Avant, à moi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je t'annonce que dans les semaines qui viennent, tu verras ton miracle. Je te dis, je te donne les clés pour ouvrir les portes du ciel, les portes des finances, les portes des miracles, les portes des guérisons, les portes du travail, les portes de l'accélération. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je te dis, cette fois-ci, tu ne vas plus échouer. Cette fois-ci, rien ne va pouvoir te stopper. Parce que je déclare que c'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton heure. Ne me pas, je commence à dire Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Parce que c'est ton temps, le temps où Marie devait accoucher, arriva. Ici, tu vas faire des grandes choses, mes amis, je le vois, je le vois. Je vais nous donner un grand terrain. On va bâtir un centre apostolique pour la gloire de Dieu. À demain, tu vas donner une église avec plusieurs milliers de membres. Mes amis, tu es en train de faire quelque chose. Ne venez pas chez Dieu, je le sens, je le vois. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mon miracle est en train d'arriver. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne vois pas les choses qui changent, je te dis, il y a quelque chose, c'est ta saison. C'est ta saison. Je suis en train de faire un miracle pour toi. Je suis en train de ramener les choses à la vie. C'est le temps de la résurrection. C'est le temps de ton miracle. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps, n'est-ce pas, pour les grandes choses pour ta vie. Parce que je t'aime d'un amour extraordinaire. La passion pour vous. Je vais prendre encore un dernier passage, puis on va terminer en priant. Il y en a qui sont péchés pendant toute une nuit sans rien prendre. Et là, ils ont travaillé, ils se sont fatigués avec peu de résultats. Mais je t'annonce que ton désert est terminé. Amen. Je t'annonce que ton veuvage est terminé. Je t'annonce que ta stérilité est terminée. La Bible déclare que, alors que c'était la deuxième fois que Jésus apparaissait, après sa résurrection, Jean chapitre 21, la Bible déclare qu'il ne prit rien de toute la nuit. Imaginez-vous des pêcheurs professionnels. Ils pêchent toute la nuit, ils ne prennent rien. 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 Et rien, c'est rien. Mais Jésus est arrivé, t'es dans un Jésus arrive. Jésus est arrivé. Jésus arrive, mes amis. Et je vous dis qu'il arrive en 2016. Amen. Il est en train de marcher sur les eaux, il est en train de s'approcher de toi. Et il va dire à Pierre. Mais Pierre, jette ton filet à droite. C'est ton voisin à droite. Mais Seigneur, regarde, on a pêché toute la nuit, puis. Arrête de calculer, tiens, ton voisin, arrête de calculer. Arrête de calculer. Arrête de penser comme il y a 40 ans. Vous savez, il y en a qui réfléchissent avec leur machine à calculer, leur truc, leur bazar. Ils font des réunions, 50 000 réunions avec tous les notaires, tous les avocats, tout le... et puis voilà. Ils... Ça, c'est le calcul logique. Mais Dieu te dit, compte
annonce que dans les mathématiques de Dieu, un et un font un million. Amen. Jésus dit aux deux petits enfants, apportez-moi deux pains, cinq poissons. Mais tu vas nourrir 5000 personnes avec deux pains et cinq poissons. Qui croit qu'on peut nourrir 3000 personnes. Avec les enfants, ça fait plus de 5000 personnes. Avec deux pains et cinq poissons. Qui croit au miracle de Dieu ce matin, ça veut dire que les cinq poissons se sont multipliés. Jésus leur dit, jette ton filet à droite. Arrête de discuter si Dieu te dit de faire. Vous savez, nous on veut toujours parler d'y négocier avec Dieu. Les chrétiens sont toujours en train de. Non. Si Dieu te dit, viens au centre apostolique du jubilé, et viens. Amen. Amen. Oui, mais moi là-bas, j'étais là-bas, là-haut. Dieu te dit, c'est ta place ici, Yatosa, c'est ta place. Ta place ici. C'est l'endroit de ta bénédiction. C'est l'endroit de ton miracle. Amen. Jette ton filet à droite. Vous ne croyez pas que je veux faire de la politique, bien qu'on approche les élections. Jette ton filet à droite. J'étais au Portugal. Dans une un ami à moi, une grosse église, là. Puis je prêchais pendant une semaine. C'est la plus grande église du Portugal, ils ont plus de 1000 membres, et je prêchais là tous les soirs. Et puis, ils me disent, non mais, Bishop, il y a un pécheur, je veux absolument que vous alliez voir, il veut que vous priez pour lui, parce que ça fait 4 mois. Il ne prêche plus un seul poisson, il y a trois ans, plus rien. Il n'avait plus d'argent. Le huissier était arrivé, il ne pouvait plus nourrir sa famille, parce qu'il vivait de la pêche. Dès qu'il rentrait, il vendait tous ses poissons à tous les restaurants. Mais depuis plusieurs mois, plus un poisson. Alors le pasteur m'a dit, est-ce que tu peux vraiment aller? J'ai dit, non seulement je vais faire mieux que ça. Dis-lui, demain matin, à 4 heures, qu'il vienne nous prendre à l'hôtel, je vais partir en pêche avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen, hein? Amen. On m'a mis dans le bateau. J'ai prié. Moi, je ne suis pas un spécialiste du bateau. Avant qu'on démarre, j'ai posé ma main sur sa tête, j'ai dit, aujourd'hui tu vas voir un miracle. Je t'annonce que ton filet va être rempli de poissons. Et je t'annonce pour voir que ça sera un signe de Dieu. On va même pêcher deux requins. D'être voisin, deux requins. Deux requins. Quand on part, il fait des kilomètres. Et puis à un moment donné, il jette des filets pendant plusieurs kilomètres pour les pêcheurs qui savent comment ça marche. Et puis après, il décide de. Et il commence donc à tourner pour que les filets viennent tout à coup, boum. Ils n'en revenaient pas, ils étaient à trois. Ils essayaient de tirer, mais ils pensaient que c'était une pierre, c'était bloqué. Non, je crois que tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris ce matin. Tu n'as pas compris qu'il y a un miracle qui est en train de venir près de toi. La Bible déclare. Enfin, pas la Bible, l'histoire. Mais la Bible aussi. Il y avait tellement de poissons, mes amis. J'ai jamais vu autant de poissons de ma vie. Amen. Des poissons, écoutez, c'est pas. Moi, je viens pas de Marseille. Mais il y avait des poissons plus grands que moi. Vous savez, c'est des grands. Oui, oui. Comme des longs, là. Je sais pas comment on appelle ça au Portugal. Plus grand que moi. Le bateau était sur le point de chavirer tellement il y avait de poissons. Non, mais je crois que vous avez pas compris ce matin. Ils ont dit, mais les deux requins sont où? J'ai dit, les deux requins, ils arrivent. J'ai pas eu le temps. Écoutez-moi bien devant Dieu, devant qui je parle. Les deux requins arrivent. Et tout à coup, paf! Un premier requin. Paf! Un deuxième requin. C'était des jeunes requins, mais c'était des requins. J'ai dit, pour tout, je pourrais vous le montrer. J'ai pris les deux requins comme ça, les gars. Et paf! Ils ont pleuré. Ils ont loué le Seigneur. Le dimanche, on a fait une fête à l'église. J'ai demandé qu'on apporte des grandes poubelles en plastique. Qu'on remplisse ces poubelles en plastique de poissons. J'ai demandé qu'on donne 3 grands poissons à chaque personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et ce monsieur a vécu et a béni ses têtes. Levez-les par un seul. Jésus va dire, jette ton filet à droite. La Bible déclare qu'ils ont jeté le filet à droite et la Bible déclare quoi? Qu'ils eurent 153 grands
poisson. Poisson. Tiens, 153 grands poissons. D'abord, je vous annonce que, en grec, ce n'est pas un filet grand qu'ils ont jeté. C'est ce qu'on appelle un petit filet de cercle. Je pourrais un jour le vous montrer. Donc, ce sont des petits filets avec un cercle. Donc, 153 grands poissons dedans, c'est un vrai miracle. Deuxièmement, il faut savoir ceci, c'est que les rabbins disent qu'il y a 153 espèces de poissons dans le monde. Ça veut dire qu'en une seule pêche, ils ont eu la pêche totale, la pêche miraculeuse. Qui croit que c'est miraculeux, c'est un pêche. Qui croit que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire? Les kabbalistiques, mes amis, disent que 153 est la gloire de 17, en hébreu, kavod. N'est-ce pas? Il faut savoir que l'église des théologiens, des premiers théologiens, disent que cette pêche représente l'église universelle qui va être pêchée pendant toutes ces saisons. Plus que ça, à la Pentecôte, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Tiens, ton voisin, descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les théologiens ont compté qu'il y avait 17 peuples, nationalités différentes, qui étaient rassemblés à la Pentecôte. Tiens, ton voisin, 17. 17. Et lorsque vous faites le calcul de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 17, que vous additionnez tout ça, vous arrivez au chiffre de 153. Donc, il y a d'autres calculs parce qu'il me faudrait un tableau. Par exemple, la création en hébreu, c'est 76, 77. 76 plus 77, ça fait 153. Quel hasard, 153. Alors, ça veut dire qu'en une seule pêche, ils ont reçu la totalité de l'onction de tout ce qui était possible. Je prophétise qu'avant la fin de cette année, tu vas recevoir la pêche miraculeuse. Je prophétise, levez-moi le ciel, qu'il y a quelque chose de Dieu qui va arriver sur ta vie. Mes amis, quelque chose d'incroyable, même les kabbalistiques, quand ils font le calcul, n'est-ce pas, c'est le nombre triangulaire de 17. N'est-ce pas, Saint Augustin a dit que 153 équivaut au nombre triangulaire de 17. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. J'ai pas le temps. Je suis rempli ici de notes par rapport à ce chiffre 153. Je vous annonce, le dévangeur va s'assurer. Il y a une pêche miraculeuse qui vient. C'est pas le temps d'accoucher, hein, c'est mon temps à moi. C'est la pêche miraculeuse. Levez-vous maintenant, levez-vous. Comment s'appelle le Seigneur? Dis Seigneur, je te loue. Je suis en train d'accoucher, c'est mon temps, je le sens. Il y a 153 poissons grands qui vont arriver. Non, ne dis pas, j'ai travaillé toute la nuit. Ne dis pas, je suis fatigué. Ne dis pas, je ne crois plus. Ne le fais pas seul. Commence à prier. Priez, priez le Seigneur. N'arrête pas de prier. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tiens-toi, je sens mon miracle qui est en train d'arriver. C'est le bon moment, c'est au bon endroit. Je suis avec les bonnes personnes. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Commence à prier le Seigneur. Priez, 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 priez Dieu. Alors que tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, Dieu te dit tous les miracles sont permis maintenant pour toi. Tout ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Je suis en train de préparer un miracle pour toi. Je suis en train de préparer quelque chose d'incroyable pour ta vie. Je suis en train de préparer un miracle extraordinaire pour toi. Comme par la basse au propos.
tu l'as fait. Tu es le tout-puissant. Tu es Shaddai. Tu es le miséricordieux. Tu es celui que Dieu sous jeunesse. Toi, je vous le prie. Le plus passé, mes amis. Je vois sur lui la gloire. Il y a une accélération. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour les gloire. Lève tes bras. Le plus passé, mes amis. Il y a une option d'accélération. Je vois des choses incroyables. Les anges sont en train de Dieu te dit, je suis proche de faire quelque chose pour toi. Mon option est en train de venir sur ta vie. Papa. Le fait passer, mes amis. Quand je n'ai pas la porte, louez le Seigneur Jésus. Je te loue et je t'adore. Je t'adore et je te loue. Louez le Seigneur. Enlève tes habits de deuil, revêt un manteau de louange. Revêt un manteau de gloire, revêt un manteau d'adoration. Dieu te dit, tu es au bon endroit, au bon moment. Tu es à la bonne place. Dieu te dit, reste ferme. Bientôt ta bénédiction est en train d'arriver. Bientôt je suis en train de faire quelque chose pour toi. Reprochons dans la main. Je nous donne et je t'adore. Recevez des songes et des visions, de Dieu. Oh Seigneur. Dieu t'a parlé ce matin. Je te dis, reviens sur le droit chemin. Je ferme des portes, mais j'en ouvre de plus belles pour toi. Ne sois pas surpris si j'ai fermé une porte. Si j'ai fermé une porte dans ta vie, c'est parce que je suis sur le point d'en ouvrir une plus grande, où tu pourras recevoir ta pêche miraculeuse, et tu pourras en une seule pêche rencontrer 153 grands poissons.
Seigneur, mets tes mains sur tes
yeux. Dieu te dit, je suis en train de toucher ta vue. Je vais faire un miracle sur tes yeux. Et tu seras le Seigneur éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui va toucher tes yeux. Je prononce la guérison sur les yeux. Même si vous regardez cette émission par la télévision, si tu as mal aux yeux, mets tes mains sur les yeux. Je prononce guérison au niveau de tes yeux. Sois guéri. Quelles que soient les gens, si tu as des problèmes au niveau des yeux, Dieu te dit, je touche tes yeux ce matin. Oh, je te loue et je t'adore, Seigneur Jésus. À toi la gloire et la victoire. Que ta gloire descende, le chiffre 17. Pour la papa, son dora papa, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 17. Ça donne le chiffre 153. Cadov, cadov, que ta gloire revienne ce matin. Seigneur Jésus, nous croyons en toi et nous te bénissons. Oh, Manaba, que ce bon Manaba. Et tira à terre le filet de 153 grands poissons. Versets 11, 10 et 11. Et quoi qu'il y ait eu autant de poissons, le filet ne s'est pas rompu. Le filet ne s'est pas cassé. Je déclare qu'en 2016, ton filet ne se cassera plus.